Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou. Assis. Je crois que c'est pas la première fois que t'as des notes. T'aimes ça, hein? Faites savoir au secrétaire Blake que nous avons Quan Chi. Il sera transféré dans l'heure au complexe très haute sécurité de Fort Charles. Bien, madame. Vous deux montez la garde. Le transfert aura lieu dans 20 minutes. Oh, pour le babysitting, madame me fait confiance. Cage, je vous écoute. Nous n'avons pas rattrapé Devora. La piste nous a menés jusqu'aux falaises de Makiba où nous l'avons perdue. Merde. D'après Jackie, la constitution unique de Devora peut nous permettre de la retrouver. Elle modifie son communicateur pour identifier les phéromones. Je donne l'ordre. Combien de temps? On blesse, on ne tue pas. Elle en a pour 2 heures. Sergent, vous n'avez pas 2 heures devant vous. Trouvez Devora immédiatement. Sonia! Cassie, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais on n'a vraiment pas le temps. Ramène ton équipe, il faut qu'on se regroupe et qu'on se redéploie. Bien, madame. Ils font de leur mieux, tu sais. Je sais. Général, on a de la visite. Vous êtes amis, non? Il t'a dit qu'il venait. Non. Général. Maître Asashi. Personne ne m'a prévenu de ton arrivée. Je veux Quan Chi. Nous maîtrisons la situation. Tu peux... Il doit mourir. Raiden a besoin de lui. Sans Quan Chi, nous ne pourrons pas faire revenir Liu Kang et les autres revenants. Tu les abandonnerais? Tu étais l'un d'eux. Seul m'importe Quan Chi. Ne fais pas ça, Hanzo. Ou alors je t'arrêterai. Nous sommes donc dans une impasse. C'est Meru! Quan Chi m'appartient. Eh ben, vive la rébellion. Tiens, maintenant je tue le général. Non mais attends, au bout d'un moment, faut quand même pas tuer tout le monde, hein. Oh, il a une attaque extrêmement puissante. Oh lolo, il va me lancer un high kick, lui. Oh lolo, oh lolo. Et ça, c'est, tu sais, c'est du high kick, hein. Oui, oui, oui. Par contre, c'est extrêmement pas évident. D'accord, bon, bah, tous les deux, on s'est explosé. Transformation ou pas? Ouais. Oh, bah, d'accord, dans le vent. Merde. Pourquoi, Poti? Toujours dans le vent. Oui. Allez. Mets une hypercute. Voilà, c'est ça que j'appelle un guerrier. Regarde tes petites grenades, chérie. Hein. Oh, général, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oh, c'est quoi? Eh, hey, pépé, les drones, hein, c'est interdit. Hein. Attends. Eh ben, elle m'a électrocuté. Espèce d'icounas. Vite, tue la vite. Parce que moi, les jeux de combat, faut que j'arrête vraiment d'y jouer. Hein. Je fais n'importe quoi. Mais vraiment, que des conneries. C'est joli. Non mais Poti, arrête de faire n'importe quoi. C'est Quan Chi qui veut, t'as compris. Faut que tu te dépêches de botter les fesses de Quan Chi. Bon là c'est bon, une droite elle tombe. Au revoir. Je ne te veux aucun mal, Sonia Blade. Appelle tes hommes, Hanzo! Si notre amitié compte pour quelque chose, tu dois me livrer Quan Chi. Renonce.
Sans Sento, tu es vulnérable. Oui, j'ai fait de louper la touche. Comme au bon vieux temps. Ah bah ouais, j'ai failli me louper. Hein. Oh, ils sont de plus en plus chauds ces joueurs. Hein. Ça fait bizarre que tu joues avec tous les persos quoi. Ça me fait trop. C'est sympa, je dis pas le contraire, mais il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Ça c'est abusé le perso que je dispose là. Tiens, regarde. Non, tu vas te faire ta. Oh, mais vas-y, mais une hypercute, et le mec il enlève toute la barre, regarde, c'est. Ah, bah, d'accord. Hé, hey. Attrape-le. Mais pourquoi tu te fais séquestrer dans le coin? Mais. Hé, hey, ta soeur, toi, hein. Suffit, hein. C'est la fin pour toi, t'as entendu? Oh, les délires qu'ils ont. Moi, je disais qu'il y en a qui sont plus enlevés des corps et qui font le grand écart. Non, mais c'est plus pour Jean-Claude ou quoi, celui-là? Hein? Pas trop regarder le film de Van Damme, lui, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis quoi encore? Attrape-le, soucoule-le, fais-lui du bien. Oh, il est trop puissant, ce personnage. Faudrait pas que je combatte contre lui, quoi. Ça sera la fin. Seule la mort de Quan Chi apaisera ma colère. Hanzo, non! Tu as bâti la renommée des Shirai Ryu. Ne réduis pas ça à néant en tuant un sorcier affaibli. Ce sorcier affaibli est l'architecte de mes souffrances. Maître Asashi, je suis heureux de te voir. Va droit au but. Je ne tiens pas à m'attarder ici. Reforme les Shirai Ryu, et je ferai de même avec les Lin Kuei. Nous voulons tous deux effacer les erreurs de nos clans. Nous consacrer à la protection du royaume Terre. Ce but commun est l'occasion pour nous de prendre un nouveau départ, sans rivalité. Tu admets ce que tu as toujours nié, que ton clan est souillé du sang des Shirai Ryu, du sang de ma famille. Notre honneur est en effet entaché. Je t'en prie, assieds-toi. Lorsque toi et moi avons été libérés du joug de Quan Chi, j'ai cherché mon clan. J'espérais qu'une rébellion intestine aurait anéanti les plans du Grand Maître. Mais Sector avait réalisé la vision de son père. Les Lin Kuei étaient devenus des cyber-guerriers. J'ai fait le serment d'abattre Sector et ses fidèles, de reformer les Lin Kuei et de laver notre honneur. Les affaires des Lin Kuei ne m'intéressent pas, Sub-Zero. Quand j'ai enfin tué Sector, j'ai découvert que l'honneur des Lin Kuei n'avait pas disparu avec la cyber-initiative. Nous l'avions oublié bien avant. La paix ne se frappe pas, Scorpion! Frost, l'honneur des Lin Kuei n'existe pas. Maître Asashi, attends! Quoi donc? Une autre trahison? J'aurai ta tête! Carrément, vive les traîtres, hein. En plus, elle avait une drôle de coupe, elle, hein. En tout cas, tu pourras dire que... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Faut que tu te calmes, hein. Bodhi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, tu te battais bien, maintenant tu fais n'importe quoi! Arrête tes bêtises! Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, voilà!
Bon, énerve-toi un peu. Ouh là 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 là. Ouh là là, je l'ai brisé. Oh, 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 il est phénoménal, lui, dès qu'il s'énerve. Ouh là 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 là. Ouh, yé, 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 ça fait trop mal, ça. Mais j'ai enlevé la moitié de la barre de vie. Bah, c'est pas pour autant que je vais gagner. Il est trop dur. Il est... Mais, hé hey, ta sœur, elle est trop fâchée. Mais Body, t'es trop lent. Mais merde, dépêche-toi. T'es trop lent. Ah là, encore, encore. Encore. Non, mais merde. c'est bien, ça continue. Fume-lui. Eh, grand maître, je vais te manger dans pas longtemps. Oh, mais il se transforme trop en glace, celui-là. Tiens, ah, j'ai un pouvoir. J'ai le feu, moi. Eh, ne soucoupe pas. Ne soucoupe pas. Non, bah, j'ai perdu, là. Il m'énerve à me glacer. Ils sont chauds, les derniers. Bon. Ah, il est trop chaud. Je suis pas ta poupée, hein. Bon, bah, là, je vais perdre. Hein. C'est obligé. Je ne gagnerai rien. Il fait que de me glacer. Il m'énerve. On dirait que je suis un Mr. Freeze, quoi. Petit con. Petit con. Non, sincèrement, ça devient chaud. Oui, tu peux encore gagner. Oui, 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 tu vas gagner peut-être. Pourquoi t'as fait ton truc glisseur, une espèce de petit con, j'allais gagner. Oh là là, il me laisse même pas le temps de respirer, quoi. Arrête de glacer tout le monde avec ta connerie, on s'en fout maintenant. Tiens. Découvre la puissance de Bulgy. Ouais. Bouffe-le, bouffe-le, bouffe-le dans le coin, séquestre-le. Tiens, c'est bien. Il m'a bloqué, il m'a fait je sais pas quoi. Bon, transforme-toi et voilà. C'est bon, allez, adieu. Grand maître, adieu. Allez, salut. Envole-toi. Eh ben, c'était pas facile, hein. Ils sont assez énervés ces derniers temps, ces boss de la fin. Eh ben. Notre histoire s'arrête ici, Sub-Zero. Qu'est-ce qui se passe? Je ne cherche pas à te trahir. Frost est puissante, mais manque de jugement. Elle ne voit pas la sagesse de la paix. Je m'occuperai d'elle. Tu parlais de l'honneur perdu des Lin Kuei. Longtemps, j'ai cru que tu avais injustement accusé les Lin Kuei d'avoir décimé ta famille et ton clan. Mais les cybersouvenirs de Sector m'ont révélé la vérité. Les Lin Kuei doivent honorer leurs engagements, Sector. Le Grand Maître a donné sa parole à Shinnok. Les mots de Shinnok ne sont que mensonges, comme les tiens. Je t'ordonne de payer. J'ai exterminé les Shirai Ryu. Comme promis. Hanzo Asashi vit toujours. C'est ton spectre, Scorpion. J'ai créé Scorpion grâce à l'âme d'Asashi après sa mort. Le marché est respecté. En théorie seulement. Je ne te dois rien. Naomi... Satoshi... Si j'avais su la responsabilité de mon clan dans l'extinction des Shirai Ryu, notre histoire aurait été différente. J'ai tué ton frère, car je croyais qu'il... Quan Chi est responsable de la mort de Bian. Sector se trompait. Il existe bien une dette, et Quan Chi va s'en acquitter. Détachez-le. Scorpion. On peut... Mon nom est Hanzo Asashi. Tu as tué ma femme et mon fils. Tu
Tu t'es ensuite introduit dans mon esprit. Tu m'as trompé, aveuglé, volé l'unique chance de revoir les miens. Ta famille... Silence, sorcier. Rien ne peut plus t'aider. Sorcier, tu es fini. Je suis énervé. Ouais, bah, sorcier, waouh. Attends, arrête de m'invoquer des trucs bizarres, hein. Espèce d'ovni, espèce d'extraterrestre. Bah, tu vas bientôt m'envoyer des soucoupes et des ovnis, non? Des objets non identifiés, il est fou, lui. Non, c'est bon, j'arrête mes conneries. Promis, je sors. Mais il est fou! Il balance toujours des trucs bizarres. Oh, ils sont sérieux. Non. Merde, je vais jamais réussir à les combattre, ces phénomènes. Tiens, viens, je t'emmène avec moi. Je t'attrape si tu veux. Allez, viens. Ah, je suis quand même sympa, hein. Hypercute, body. Hypercute, je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà appris à faire des hypercutes, quand même. Merde, faut te lui les fesses. Ça devient chaud vers la fin, là, du jeu. C'est bon. Eh ben, dis donc. C'est la fin pour toi. Ça lui a rien fait du tout, cette connerie, hein. Des fois, je me pose la question, à quoi ça sert tous ces petits cobos là qui servent pas à grand chose. Scorpion, il est chaud, hein. Tue-le, ce sorcier. Arrête de m'inspirer. Il inspire... Hey, mais lui, c'est un truc... Ah tiens, c'est pas mal, ça, comme technique. Bon, ça, c'était une connerie plutôt de ma part. Mais il est trop puissant, le joueur avec lequel je joue. Sincèrement, j'aimerais même pas me rebeller contre lui, hein. Attrape-le, body. Mais attends. Non, mais je te permets pas, hein. Oh, le vieux combat. Enfin, tu ressens ma douleur. Scorpion, stop! Quan Chi! Par ici. Non. Norino. Aestis todé. Mystique Nipoma. Nikon. Le sang pour le sang. Ta dette est payée. Oh, merde. Libère-nous, vite! Comme ils sont petits. Celle-ci salue le seigneur Shinnok. Quan Chi a bien choisi ses disciples. Me faire réapparaître sur Terre derrière leur défense était judicieux. Quan Chi les a bernés. Il s'est laissé capturer. Il savait qu'il le mènerait ici. Quel dommage qu'il ne soit plus là pour voir son œuvre achevée. Tu ne me surprendras pas, Johnny Cage. Amenez-le. Gloire au seigneur Shinnok. Mettons-nous en route. Ather a envoyé des forces dans le Nether. Je sais. Elles seront neutralisées. Oh merde. Maman,
Où est papa? Shinnok. Maman, maman, où sont-ils partis? Maman! Ton père, prisonnier de Shinnok, au temple céleste. Je vous dis à tout à l'heure pour voir la suite du temple céleste. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.